C'était la mienne. J'ai trop... Qu'est-ce que t'as? Oui, Lucas, Lucas, c'est pas moi. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas, petit frère? J'avais trouvé une boîte de ravioli pour toi, Émilie. Ah, c'est pas grave, on en retrouvera une, ok? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de 20h. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui inquiète beaucoup les scientifiques. D'après leurs recherches, la Terre ne serait plus habitable d'ici 2050 à cause de la pollution. Depuis quelques années, nous avons appris à vivre avec ces catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique, telles que les fontes de glace, les tsunamis, les inondations ou encore même les feux de forêt. Retour sur 30 ans de cette situation. Le nombre de catastrophes naturelles a été multiplié par 5 en 50 ans, selon l'ONU, qui publie un rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Son atlas est un document qui répertorie depuis 1970 le nombre de morts et les pertes économiques dues aux phénomènes météo extrêmes. Et ces derniers vont être de plus en plus nombreux et violents. La mauvaise nouvelle est que les pertes économiques ont augmenté très rapidement et que cette croissance est censée se poursuivre. Nous allons assister à davantage d'extrêmes climatiques à cause du changement de climat et ces tendances négatives du climat se poursuivront de toute façon pendant les décennies à venir. Si nous réussissons à atténuer le changement climatique, nous pourrions arrêter ces tendances négatives vers les années 2060. Si nous sommes plus chanceux, nous pourrions limiter le réchauffement à 1,5 degré. Si l'on fait une moyenne, une catastrophe d'origine météorologique, climatique ou hydrologique a été enregistrée tous les jours au cours des 50 dernières années, entraînant quotidiennement le décès de 115 personnes et des dégâts se chiffrant à plus de 200 millions de dollars. Un phénomène qui reste encore inexpliqué inquiète beaucoup les scientifiques. Je veux bien parler des tempêtes de pollution, de plus en plus fréquentes et occasionnant de nombreuses difficultés respiratoires chez les plus de 30 ans. La mortalité chez les plus de 40 ans a explosé ces dernières semaines. L'homme le plus vieux au monde vient de mourir à l'âge de 56 ans. L'affaiblissement des poumons chez les personnes âgées évolue à une vitesse troublante. Face à cela, nous devons prévenir et nous préparer. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Je recommande à tous nos concitoyens qui nous écoutent de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos. Et nous allons, on va observer la situation, mais nous mettre en situation de pouvoir, par exemple à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire. Non, non, l'ouvre pas maintenant. Tu sais très bien qu'on peut enlever le masque 15 minutes par jour. Oh non, j'avais faim. Maintenant, on va où? Ça va? Oui. T'as pas été blessé? Tout va bien. Tu vas bien, toi? T'inquiète, moi ça va. Qu'est-ce que t'as? T'es toute bizarre.
C'est juste qu'en ce moment, c'est difficile et je veux pas que tu sois triste, ok? Ça va aller, on va trouver une solution dans tous les cas. Et ils sont où, papa et maman? Je t'ai déjà expliqué, ils sont loin, très loin, et on les reverra dans longtemps. Oui, mais ils reviennent quand? Je te l'ai déjà expliqué, Lucas. Pas tout de suite, dans longtemps. Ils sont partis avec les enfants morts, c'est ça? Il y a quoi après la mort, Émilie? Eh bien, il y a une grande forêt avec plein d'arbres et personne ne porte de masque. Les gens jouent, s'amusent, rigolent, s'entraînent et leur seul travail, c'est de planter des arbres. Bon, allez, faut que tu te reposes un peu. Eh les jeunes, ça vous dirait un petit ragoût de chevreuil? On peut, Émilie? S'il te plaît, j'ai faim. Désolé, on n'a rien en échange. Mais non, mais c'est bon, je demande rien en échange, il faut s'entraîner par ce temps-là. Allez, venez, on va manger ensemble. Et voilà les jeunes, un bon ragoût de chevreuil. Chassé hier soir, c'est chaud, dépêchez-vous, ça va refroidir. Enlève ton bonnet, toi. Mais au fait, comment ça se fait que vous êtes encore en vie? Parce que je mange les poumons des petits-enfants. Mais non, avant j'étais un gros fumeur, 3 paquets de cigarettes par jour. Ils ont dû me greffer des nouveaux poumons. Le gars que vous avez en face de vous, il a les poumons d'un jeune de 15 ans. À votre santé. Ah mais je manque à tous mes devoirs. Je vais vous mettre de l'eau. Puis servez-vous. Allez, servez-vous! Bon, allez. À votre bonne santé! Et cul sec! Ah. Qu'est-ce que c'est? On est où? Il est où ton masque? Mais je sais pas! Ah, vous êtes rêvé? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous avez fait de nos masques? Ne vous approchez pas! Je voulais juste savoir si vous alliez bien. Vous avez été empoisonné, j'allais juste vérifier. Bienvenue dans la forêt. On vous a amené hier soir. Quand on est mort, Émilie?